Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve sur Minecraft actuellement, mais je voudrais vous parler du fait que en fait j'ai commencé la série Heart of Iron 4 il y a quelques jours. Le premier épisode est déjà disponible et non, il y aura le deuxième épisode qui est le samedi pour remplacer Cities Skylines. Vu que HOI 4 ça plaît énormément et que moi-même ça me plaît énormément d'y jouer. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, au lieu de deux vidéos par semaine sur Heart of Iron 4, plutôt trois vidéos par semaine sur ce jeu? C'est une question. Voilà, j'ai envie de vous le demander. En gros, ça sera tous les 18h. En gros, si vous dites oui, on veut trois vidéos par semaine de HOI 4. Ça sera le mardi, jeudi et vendredi et mardi, jeudi et samedi à 18h. Ça, c'est à vous d'en décider. Vous avez une petite fiche qui s'affiche tout en haut à droite. Exactement. Alors, vous allez me dire, mais Minecraft, qu'est-ce que ça va devenir? Alors, je sais que Minecraft, c'est pas le jeu qui tourne le plus dans ma chaîne. Ça, je le sais très bien. De plus, ça me plaît de moins en moins de jouer à Minecraft, j'ai pas voulu mentir. Donc, je pense que Minecraft, on le fera quand même le jeudi, mais ça sera à 14h sûrement. Il y aura une vidéo Minecraft, puis sinon, le reste ça va sortir. Donc, GPS4 à 16h et Heart of Iron 4 à 18h. Si vous dites oui, on veut 3 vidéos par jour, enfin 3 vidéos par semaine de Heart of Iron 4. Si vous voulez pas et qu'on ne change rien, et ben voilà, ben ce sera comme ça. Donc vous appuyez sur la fiche sur le point i avec un petit truc avec un rond, et dans ce cercle il y a un i. Vous appuyez dedans, vous avez oui on change ou non on change pas. Voilà, vous répondez et dès la semaine prochaine, ben je vous dirai quel est le vainqueur. Bah, de toute façon, ça se verra, hein. Si je dis je fais un Minecraft à 14h et qu'à 18h vous avez Heart of Iron 4, bah, ça veut tout dire, c'est-à-dire que là, voilà, vous avez gagné. De toute façon, vous pouvez voir les statistiques, c'est libre accès. Sachant que avec les fiches, ce qui est bien, c'est que déjà c'est sur YouTube, donc vous n'avez pas besoin d'aller sur un autre site. Et ce qui est bien, c'est que c'est anonyme. Donc moi, je pourrais pas savoir, tout comme tout le monde ne peut pas savoir qui a voté pour oui, qui a voté pour non. Voilà, on ne le saura pas. À part si vous le mettez sur les commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, cette petite question. Voilà, je voulais juste la poser pour savoir votre avis. En tout cas, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que vous aurez voté, et j'espère que le vote sera en votre faveur pour la majorité. Allez, ciao tout le monde!